What's up mes warriors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous présente une nouvelle vidéo, une nouvelle facette de ma chaîne YouTube. On va essayer de faire des vidéos pour les filles, parce que c'est vrai que ma chaîne est plus spécialisée pour la mode des garçons. C'est un peu chiant. Donc voilà, je vais vous faire quelques petits défilés avec ma soeur et ma copine, donc pour vous montrer un petit peu deux styles différents. L'un un peu plus classique, qui est plus, comment dirais-je, accessible à toute fille, sincèrement et sans avoir des coûts très chers pour les habits. Et vous allez avoir le style de ma soeur qui est un peu plus extravagant comme le mien. Donc il faudra mettre un petit peu plus d'argent quand même pour avoir ce style là. Ou sinon vous pouvez trouver des petits trucs quand même sur certains sites à pas trop cher. Donc vous allez voir ça de toute façon et je vais vous expliquer quelques petites étapes pour la première tenue, donc celle de ma chérie. Et je vais vous expliquer un peu tout ça, à tout de suite. Donc voilà, là vous pouvez voir tout simplement sur le côté, voilà, une tenue très simple, un petit débardeur avec un pantalon taille haute et des petites baskets toutes simples. Donc voilà, pour commencer pour la première tenue, après vous allez pouvoir rajouter une petite chemise que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout simplement, la chemise, vous pouvez l'attacher autour de votre taille pour que ça donne un meilleur style et que ça fasse un peu plus streetwear dans l'esprit, avec toujours la même tenue de base, le petit débardeur, le pantalon troué taille haute avec une petite ceinture et la chemise ceinturée justement à la taille avec des petites baskets toutes simples, très très bien. Et ensuite, vous pouvez bien évidemment tout finaliser en mettant tout ça en place. La chemise, vous la mettez sur vous tout simplement comme ceci, et après voilà, vous restez tout simplement naturel. Donc c'est une tenue très très basique dans le streetwear, mais qui fonctionne très très bien, et je trouve que c'est très très classe pour les filles. Moi j'adore, perso, quand je vois une fille habillée comme ça, moi je trouve ça très très joli. Et ma copine le porte extrêmement bien, cette tenue. Enfin, franchement, quand elle s'habille comme ça, je kiffe de ouf. Pour ma soeur, on peut voir que c'est différent, un petit haut militaire, donc un haut assez court au niveau du ventre, petit jean très slim, assez troué, destroy, qu'elle a fait elle-même, donc bravo à elle parce qu'il est très bien réussi en plus, et petite paire de baskets toutes simples. Donc voilà, c'est un peu plus l'esprit décalé quand même, parce que je trouve que voilà, c'est pas des coupes exactement pareilles que l'ancienne tenue. D'ailleurs, vous allez voir le comparatif avec les deux côte à côte après. Donc voilà, franchement, la tenue Guinness, elle est très très bien. Je trouve qu'elle est pas trop extravagante, mais ça rentre plus dans le thème de la mode américaine en fait. C'est moins banal. Donc voilà les deux comparaisons, vous pouvez voir, hein, ça change quand même. Il y a une petite différence assez flagrante. On peut voir le sweat à Inès qui rentre vraiment dans le thème, avec vraiment cette particularité où le jean est vraiment bien déchiré. Et vous avez le style un peu plus banal, mais qui est vraiment dans le streetwear aussi américain, avec la petite chemise autour de la taille, deux coupures sur les genoux au niveau du jean taille haute. Je rappelle, c'est taille haute, donc ne faites pas des vieux commentaires à la noix. Avec un petit t-shirt, ouais, j'avais appelé ça des débardeur tout à l'heure, mais c'est un petit t-shirt tout simple, blanc, banal. Il n'y a pas besoin d'avoir des plein de trucs avec plein de couleurs. Il suffit que tout soit harmonieux, et voilà, tout va très bien fonctionner. Donc voilà, je vais vous dire au revoir tout de suite, et puis c'était bien cool. Donc voilà mes warriors, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, j'espère en tout cas. Et si vous avez des idées pour d'autres vidéos pour les filles, ça serait vraiment pas mal de me le dire en commentaire, parce que c'est compliqué de trouver des idées en ce moment. Bref, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Lâchez un gros pouce bleu, comme dirait je ne sais même plus qui d'ailleurs. Et puis ben voilà, oui, c'est Ibra qui dit ça, c'est Ibra TV qui dit ça, là c'est un gros pouce bleu. et donc voilà, lâche plein de commentaires, fais tourner la vidéo pour avoir une plus grosse communauté. Viens sur mon groupe réception du jour qui est sur Facebook, ajoute-moi sur Facebook Clemente Vales, viens me suivre sur Instagram @Clemente Vales et sur Snapchat Clemente Vales. Tout sera sur la barre d'infos. Je vous dis à très très bientôt. Peace, mais pas sur moi. Pouh, pouh.